Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'électrolyse dans laquelle je vais faire une présentation de l'électrolyse. La première électrolyse a été effectuée par deux chimistes, William Nicholson et Sir Anthony Carlyle, donc deux chimistes anglais en 1800 donc juste après l'invention par Alessandro Volta de la pile et donc ils ont réalisé l'électrolyse de l'eau. Euh, ensuite, euh, ce dispositif d'électrolyse a été utilisé par un autre chimiste anglais qui est donc Humphrey Davy qui a réalisé euh, l'électrolyse de plusieurs solutions et qui a permis d'isoler des éléments et donc euh, d'augmenter la découverte des éléments il a notamment, et donc tout ça s'est passé euh, aux alentours de 1807 1808, il a découvert notamment donc, par électrolyse des éléments alcalins, donc euh, le sodium et le potassium et des éléments alcalinotéreux, donc le barium, le strontium, le calcium et le magnésium. Les alcalins sont dans la première colonne du tableau périodique et les alcalinotéreux dans la deuxième colonne. Voyons donc maintenant comment on réalise une électrolyse. Je vais réaliser donc l'électrolyse d'une solution de bromure de cuivre, donc dans un tube en U je place donc ma solution de bromure de cuivre et à l'extrémité du tube, aux extrémités du tube, je place donc deux électrodes de carbone, une électrode reliée au pôle plus d'un générateur de tension et une autre électrode au pôle moins. donc j'envoie un courant donc, dans euh, ma solution. je laisse la réaction se faire pendant un certain temps. ensuite, donc, je Coupe mon générateur et je vais regarder ce qui s'est passé dans mon tube. Tout d'abord, je constate que au niveau de la partie, euh, de la partie euh, gauche, je vois que donc, la couleur de la solution a changé. Elle est légèrement jaune alors qu'elle est restée de la même couleur à droite. Si je regarde maintenant l'électrode de droite, je constate donc qu'à son extrémité, j'ai apparition d'un solide de couleur rouge-brune ici et ce solide est donc du cuivre et si je m'intéresse donc maintenant donc au changement de solution si je prélève un peu de solution donc du, de, la, de la branche gauche et que je le place avec du cyclohexane en agitant je constate donc que mon cyclohexane devient orange ce qui est la présence ici donc de dibrome il y a, il y a donc eu création de dibrome dans la partie euh, gauche du tube et formation de cuivre dans la partie droite du tube. Si je résume, j'ai donc eu d'un côté formation de cuivre sur l'électrode et de l'autre côté formation donc, de dibrome euh, dans la solution. Si je fais donc le schéma de l'expérience, j'ai donc mon tube en U qui contient ici donc mes ions Cu2 ⁇ et Br-, ma solution donc de, de chlorure de brome, de bromure de cuivre, pardon. Et euh, donc j'ai placé mes deux électrodes avec au bord de ces électrodes un générateur qui va appliquer donc un courant euh, dans la solution. On constate donc que d'un côté on a eu formation d'ibrome Br2 et de l'autre côté on a eu formation de cuivre. Cu. On va chercher donc à savoir ce qui s'est passé. Donc du côté euh, gauche, je suis passé de Br- à Br2. On peut donc à partir de ça en déduire une réaction d'oxydoréduction. Ici, si j'ai des moins, ça veut dire qu'il y a des électrons qui ont été produits de l'autre côté pour avoir un équilibre. Et j'ai donc une équation, une demi-équation d'oxydoréduction qui est que 2 Br- donne Br2 plus 2 électrons. Il s'agit donc ici... Donc d'une oxydation, c'est donc l'anode. De l'autre côté, je suis passé de Cu2 ⁇ à Cu. Là encore, j'ai un couple oxydant-réducteur, donc je peux écrire la demi-équation associée, qui est que Cu2 ⁇ plus 2 électrons, égale Cu. On a donc une réduction, c'est donc la cathode. D'un côté, j'ai donc produit des électrons. De l'autre côté, j'ai consommé des électrons. On a donc une circulation de charge dans le circuit. On a donc des électrons qui sont produits d'un côté, consommés de l'autre, et donc si les électrons vont dans ce sens, c'est bien que l'intensité va dans l'autre sens. On a bien l'intensité qui va du plus vers le moins à l'extérieur du générateur, ce qui est cohérent avec donc ce qui s'est passé. Donc le fait d'avoir placé un générateur au bord d'une solution a permis donc des réactions aux électrodes qui sont des réactions d'oxydoréduction. On va donc définir ce qu'est une électrolyse maintenant. Donc une électrolyse est une réaction chimique ayant lieu sous l'effet d'un courant électrique appliqué à une solution et donc elle fait intervenir des réactions d'oxydoréduction.